à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour mes produits terminés, je suis un peu à la bourre de septembre. Donc voilà, je vais donner mes avis comme je dis d'habitude. C'est que mes avis, voilà, après vous testez si vous avez envie. Peut-être que vous n'allez pas aimer un produit que moi je vais aimer, mais bon. Voilà, moi j'aime bien ces vidéos-là, en général, ça permet de tester des produits qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît, et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc déjà un gel douche de chez Yves Rocher. Bah moi vous savez que j'adore les gels douches de chez Yves Rocher. Celui-là c'est le fleur de tiare. Bah ils sont super bons, j'ai bien aimé. On le rachètera sûrement. Ils sont vraiment la fleur. Ils sont franchement ils sont très très bons. Ils lavent très bien, ils moussent très bien. Donc ça top à racheter. Donc bah j'ai fini. Le démêlant de chez Action à la banane. Bah, vous savez que celui-là, si vous me suivez depuis longtemps, si vous regardez mes vidéos produits terminés, vous savez que je l'adore et qu'ils sont vraiment, vraiment bons la banane. Voilà, j'en avais fait un stock, j'en ai encore. Mais celui-là, je l'adore, je l'adore. Bah, j'ai fini deux shampoings qui vont avec. Donc pareil, qui viennent de chez Action à la banane. Et franchement, ça sent vraiment, vraiment bon la banane. Et franchement, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a fini... oui, ils ont fini beaucoup de shampoings ce mois-ci. Je pense qu'ils sont beaucoup joués avec les shampoings. Donc, j'étais vraiment énervée parce qu'ils m'énervent à faire ça. Bref. Un shampoing, je sais même plus où je l'avais eu, celui-là. Je pense à Lidl. À Lidl. Je crois qu'on l'avait acheté en vacances pour dépanner parce que du coup, j'avais pas appris assez, je crois. Je crois, il me semble, c'était ça. Bon, il était bien, mais pas non plus oufissime. Après, on a fini celui-là. Franchement, celui-là, il est vraiment bien. Le chez Dope, ils sont trop bons, la pomme. Je l'avais acheté pendant les promos et je l'aime beaucoup. Je pense que j'en rachèterai de temps en temps parce qu'il est vraiment très, très bien. J'ai connu ça quand mon papa, il est venu. Parce qu'il avait un shampoing Dope et franchement, en fait, ils sont pas mal. Bah, pour finir le combo à la banane, on a fini un gel douche de chez Action à la banane. Franchement, ce combo-là, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Après, j'ai fini un shampoing violet déjaunissant de chez L'Oréal, de chez Elsève, L'Oréal, Elsève. Bah, franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il déjaunissait. Surtout que là, j'ai fait une couleur, bah, comme vous voyez, blonde, qui était vraiment très, très jaune. Je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai vu aucune efficacité. Pourtant, normalement, ça marche bien, ce genre de choses. Parce que nous, on l'utilisait beaucoup en salon, mais là, je trouvais pas... grande utilité. On a fini un gel douche de chez Cottage. Ça faisait longtemps que j'en avais pas utilisé et là on en a utilisé pas mal parce que j'aimerais finir un peu les gros contenants comme ça, voilà, les gros qui prennent de la place. Bah, vous savez que moi Cottage j'adore, franchement j'ai des gel douche coup de cœur que j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Donc ça je vous rachèterai quand j'aurai fini un minimum de gel douche, mais là ça commence à bien se vider donc je suis contente. On a fini ça, c'est de chez Auchan Cosmia, pareil à la guimauve. Ils sont pas mal quand même, je trouve, pour un gel douche à 1 € et quelques. Ils sont quand même bien, j'aime bien les acheter de temps en temps. Donc voilà, j'ai fini une crème pour le corps, bubblegum. Je sais plus du tout où j'avais eu ça, je pense dans un coffret que peut-être quelqu'un m'avait offert, je ne sais plus. Mais franchement, il était bien, il sentait super bon. J'ai bien aimé l'utiliser. Je crois peut-être que ça vient de chez Action, mais je sais pas du tout. Franchement, je pourrais pas vous dire. Pareil, encore un gel douche de chez Cottage, le Passion Smoky. Ils font, franchement, moi en plus, j'adore les fruits de la passion. Dès que je vais au Portugal, parce que là-bas, il y en a, et ça coûte beaucoup moins cher qu'ici. C'est mes fruits, faut aimer, mais franchement, moi j'adore, j'adore. Et l'odeur. Elle sentait vraiment, vraiment trop, trop bon. Après, j'ai fini pour le lavage du sol Ajax à la rose et fleurs. Franchement, elle sentait super bon. Ça, je rachèterai, je ne sais plus si c'est Lidl ou Action, mais ouais. Ça, je rachèterai, j'aime beaucoup. J'ai fini une recharge comme ceci pour lave-main de chez Lidl. Parfum fruité, donc ça franchement c'est top, ça me remplit mon truc. Bon des fois j'aime bien quand même acheter les petits, voilà. Mais c'est quand même sympa, donc ça je rachèterai sans problème.
Alors, comme d'habitude, j'ai fini pas mal de bougies encore à la rose, donc qui viennent de chez Action, je les aime beaucoup. J'ai fini à la lavande. Voilà. On a fini une bougie que j'avais acheté à Action cet été pour les moustiques. Donc franchement, elles sont super bon, la citronnelle, elles sont très bien. Donc ça, je rachèterai quand les moustiques reviendront. Après, j'ai fini encore une bougie, je crois que c'est celle-ci qui va dedans. Donc c'était une bougie que j'avais trouvée à Adop pendant les soldes. Ouais, et franchement, elle est très bien. Donc pourquoi pas assenter bien le pain. Donc pourquoi pas en racheter si je retrouve à Adop. J'ai fini ces petites bougies-là que j'ai trouvées à Action. C'est les bougies que vous mettez dans un truc comme ça là. Franchement, elles sont toujours trop bien. Celles-là, c'est au melon. Elles sont vraiment très bien et elles sentent super bon. Elles ne coûtent pas très cher en plus. Donc j'en avais racheté pas mal. Donc j'en rachèterai quand j'en aurai plus. Mais voilà. J'ai fini aussi ceux-là que je vous parle et que c'est des. Qu'on trouve à Action aussi. Elles sont vraiment trop trop bien. Donc voilà. Je les achète aussi maintenant, celles-ci. J'aime beaucoup. Après, on a encore une petite bougie comme ça, fruits rouges, donc pareil, qui sont super bons, qui est très bien. Je me suis pas fait beaucoup de masques ce mois-ci, je m'en suis fait un, voilà, panda de chez Action, ceux-là, je les aime beaucoup, en plus, ils sont rigolos. Après, vous avez la peau toute douce, franchement, moi, je les adore. Par contre, je me suis fait plusieurs masques pour les cheveux, parce qu'en fin de compte, cette couleur-là m'a tué mes cheveux. J'avais acheté ça dans le commerce et franchement c'était pas cher, mais en fait ça m'a tué les cheveux. Du coup c'est une catastrophe là mes cheveux. Du coup c'est pour ça que je pense que je vais changer de couleur, bref. Mais ça m'a tué les cheveux, du coup je fais le dimanche des masques pour les cheveux donc de chez Sephora. Franchement je les avais jamais testés et franchement ils sont super super bien. C'est sûr qu'ils alourdissent les cheveux, mais ils sont top. Donc celui-là c'est... C'est éclat protecteur de couleur, mais franchement ils sont trop trop bien. Donc j'en avais plusieurs en stock. Désolée, il faut toujours qu'ils viennent m'embêter quand je filme. Donc j'ai fini un lait pour le corps de chez The Body Shop. Donc là c'était un grand contenant que j'avais eu il y a très très longtemps au coconut. Franchement, moi j'adore les crèmes pour le corps de chez The Body Shop. Là je suis en train de finir tout ce que j'ai aussi parce que j'en ai pas mal. Et là, j'aimerais tout finir. On repasse au masque cheveux parce que j'ai fait aussi celui-là au coco. Et pareil, franchement, j'ai adoré. Franchement, nickel. Ça, j'en rachèterai, c'est sûr. J'ai fini une lessive de chez Action. Bon, elle est pas mal, franchement. C'est pas une marque, mais elle est bien. Donc, je l'ai rachetée. Je veux dire, je la réutilise en ce moment. Pardon. Je la réutilise en ce moment, il y avait très bien. Et j'ai fini aussi la soupline jaune qu'on trouve à Action, qui est bien. Donc ça, je la rachète à chaque fois. Je l'ai racheté, je l'utilise aussi en ce moment. Donc voilà. Encore une crème après shampoing pour les cheveux. La même, hein, donc je ne vais pas vous en reparler. Elle est très bien. J'ai encore fini une autre bougie, voilà, de chez Action. On a fini un dentifrice What Night Signal de chez Signal. Bon, celui-là, vous savez que je l'adore. Je le rachète souvent au promo Leclerc ou autre, ou Carrefour. Ou... Ah non, de chez Adop, c'était celle-ci. Bon, après, c'est pareil. Hein. L'autre, c'était une de chez Action, alors. Donc, c'est pareil. J'ai fini aussi celle-ci. Ils les ont remis parce qu'à un moment, on ne les trouvait plus. Ils les ont remis. Et franchement, celles-ci, elles sont très bien. En plus, elles se consomment vraiment parfaitement. Pareil, qui viennent de chez Action. Top, top, top. On a fini aussi ce dentifrice-là, Signal. Intégral 8, il est bien aussi. Bon, il est un peu moins bien, mais il est bien quand même. Donc ça, je rachète aussi à Action, je crois. Donc, il est top. On a fini un gel douche Baby Shark. Ils ont fini plutôt, parce que moi, je l'utilise pas. Bon, il aime bien, c'est marrant. Ça, j'avais trouvé dans le nouveau magasin, comment on appelle. À chaque fois, je m'en souviens jamais du nom. Où il y a un peu de tout et tout. Je sais plus comment il s'appelle. Chaque fois, je vais vous en parler. Et à chaque fois, j'oublie le nom. J'ai fini encore un autre masque. Voilà, j'en ai fait deux ce mois-ci. Franchement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas arrêté. Bref, il est très bien. J'aime beaucoup. Je n'arrête pas en ce moment. Donc, voilà.
J'ai fait une boule pour le bain à la rose. Je crois que je l'avais eue dans un. Qu'on m'avait offert dans un calendrier de l'Avent ou mon amie Valérie, je sais plus. En tout cas, c'est quelqu'un qui me l'avait offert. Donc, elle était très bien. Elle sentait bon. Après, on a fini un gel douche de chez Dope au parfum du Rocher Coco. Franchement, il est très bien aussi. J'aime beaucoup. Franchement, les derniers Dope, je suis plus conquise que les premiers. Donc, ça, je rachèterai quand j'aurai plus de stock de gel douche. Alors, pareil, j'ai rejeté pas mal de gloss. Mais il date, franchement, ceux-là, ils datent de au moins 8 ans, quoi. Donc, ça, c'était ceux-là, franchement, je les adorais. C'était de chez Yes Love. Les lip gloss, ils étaient franchement trop, trop bien. Mais ils ont vraiment séché de chez séché. Mais ils datent vraiment ceux-là. Après, je jette celui-là de chez Julie Sue. Je ne l'ai jamais testé. Voilà, il a séché. Pourtant, celui-là, il n'est pas hyper, hyper vieux. Pareil, ceux-là, je les aimais beaucoup, beaucoup. Je les ai beaucoup utilisés de chez Laetitia Well. Bah, celui-là, il n'est pas ouvert, mais... Ouais, non, bah non. Ah non, celui-là, il n'est pas ouvert. Je suis con, moi. Je me suis peut-être trompée. Du coup, je jette celui-là de chez Max & More, pareil, qui a séché, mais c'est un ancien, celui-là. Si vous aviez le côté rouge à lèvres et le côté gloss, donc pareil, il a séché. J'en ai pas mal que j'ai jeté qui ont séché et qui sentent mauvais aussi, qui collent. Donc, je préfère jeter. Je jette aussi celui-là, voilà, qui sent mauvais, je crois. Donc, je préfère jeter. Donc, voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. Après, comme je dis, c'est que mes avis. Vous allez peut-être aimer ou détester un que moi j'utilise. Mais voilà, j'aime beaucoup moi regarder ce genre de vidéos. Voilà, je voulais faire une parenthèse pour me dire que je suis vraiment désolée. Beaucoup viennent me dire en commentaire qu'elles ne me voient plus sur leur chaîne. Franchement, là je fais mes vidéos, mais vous voyez, j'ai très très peu de temps. Je cours partout en ce moment. J'ai le temps de mettre mes vidéos, voilà, de les filmer vite fait et c'est tout. Je passe vite fait sur quelques vidéos, mais je peux pas passer sur chez tout le monde, hein. Parce qu'il y a des fois des vidéos ici qui sont très longues. Et du coup, voilà, c'est souvent le soir, mais le soir, je suis très fatiguée. Donc des fois, je m'endors même devant les vidéos. Donc voilà. Mais c'est pas pour ça que je vous oublie ou quoi qu'est-ce, hein, mais voilà, je m'en excuse. Là, j'essaye de plus répondre aux commentaires directement. Je pense que vous l'avez vu. Voilà, parce que sinon, après, pareil, je prends trop de retard et c'est pas possible. Donc je m'en excuse aussi 1000 fois, c'est pas je suis ingrate ou quoi, non du tout, hein, c'est juste manque de temps, d'oubli, je ferai plus tard et après je zappe, voilà, c'est tout. Donc voilà, parenthèse close. Donc merci en tout cas à tous et à toutes de me suivre, merci aux nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, comme vous voyez en ce moment, c'est un peu une chaîne plus de scrap en ce moment, parce que j'ai repris le scrap et du coup voilà, il y a plus de vidéos scrap. Mais de temps en temps, il y a une vidéo beauté. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît quand même toujours. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bisous bisous. Bye bye.